frèm sèm kap tande m kap gade m la, m te di nou sa. Dossier assassinat Jovenel Moïse la, nou wè ke la justice américaine te gete condamné yon nan assassin ou la dan, et puis après ça, nou wè la justice américaine di ke yon close dossier ya, yon pa le retourne sou li en mai 2024. Un an après. Pa ki problème? Hey, papa, non. Si nous ta kont sa kap fèt la, nèg sa ou ki te implique nan touye Jovenel Moïse la, ou bi tout nèg nou ta de nou site nan dossier assassinat Jovenel Moïse, nou ta commencé passer loin yo. Ki sa bagay la ye? DCPJ, ge pou devoir, mette nan yon rapport clair, bien détaillé, debi se nèg ki nan pouvoir actuel la, ki implique nan assassinat Jovenel Moïse. Ou kon sa passe? Dans pil ti l'ancien information kap tombe, nou men nan fou rezo nan kanalou nou jwenn ti bagay. Mais on nous prend bagaille qui tombe. Gagne Gagé Diesel cap dirigeant média qui dans débat sur de cela quand qui le métronome. Ils font tweet, ils dit que selon source que le gagne au niveau des CPJ, il fait qu'on est que réseau qui cause pas mettre nous une série d'autorités qui actuellement qui en place actuellement dans le pays, c'est parce qu'il y a des responsabilités dans l'état automatiquement, il y a pas dans l'état, il y a pas le tirer dans yo. Et bien, mes raisons. Raison qui cause ou n'a besoin de pouvoir à vie, c'est ça. C'est parce que yo connaît automatiquement pas de pouvoir. Dossier Jovenel Moïse là a fini avec ça honnête tout connaît. Et mais qui t'aime parler nous. Pas de passer par quatre chemins. Pas de route pas bois. C'est maman petite Marie vente ses codes dans rien. Mais que tout Jovenel Moïse c'est vrai. Mais écoutez bien. L'écoutez madame ni qui c'est Martine Moïse qui pose une action clé. Martine Moïse faut passer dans Washington DC qui c'est capitale politique mondiale. Là elle parle avec deux moun. Gay espoir. Et fui travail là, fui contact ça commencé vini. Nous doit parole paraît blip blip. Mais pas oublier Jean premier ministre la monte dit là, justice bon Dieu, c'est cabret bœuf. Justice pour Jovenel Moïse là, c'est cabret bœuf que lié. Il pas pressé. Tout doucement, tipa, à part toi, tu l'as pas avancé. Et mais action que Martine Moïse te pose, dans Washington, et puis l'elle te sorti Washington d'ici, il te débarqué dans un tribunal fédéral en Floride, il t'a porté plainte contre Lise de Moun. Ça a été suivi kap fait, et mai 2024, dans le pays États-Unis d'Amérique, pour aller crier, mais il a commencé à crier depuis dans le pays d'Haïti. Comment a fait juste ça qui est le Walter ou c'est Voltaire qui a traité dossier deux pieds monsieur dans un grain de soulier. Monsieur prend un zip, monsieur prend un pétrin, monsieur prend un trois, monsieur entravé, monsieur prend un courant et monsieur a un problème pour toute 13 villes. Monsieur bon Jean entravé ya. Pas une route pas bois. Monsieur pas passer par comme si par monsieur gon mission qui n'est au Bali. Et c'est là m'te dit oui. Si nan si malheureusement l'argent mené yo, juge la pa kon kob. Mais il vin wè gros kob. Pour comme yon kap vole kap ou fouil gros kob pour protéger yo. Mais qui kote mission travé? Ou gen plusieurs possibilités. Martine Moïse te bon chance. Qui chance que le débat ou? A travers avocat et service de renseignement li, yo fèl kon effectivement, moyen ki yo te rentré nan appareil judiciaire lan, yon nan moun ke non site bien fort. Et qui était dans planification assassinat président PIA, qui c'est président Jovenel Moïse, qui est le Paul Denis, c'est lui-même qui met tout dans le système judiciaire. Il dit déjà, qui ça nous capable de brûler, conflit d'intérêt. Qui ça nous capable de brûler, conflit d'intérêt. Et bien pour toute raison, ça y est, il requise. Il est bien écrit formellement, il m'a pour déporter le dossier. Aucun B. Intervention qu'elle fait, ou fait capital politique avec elle, ou piéger propre tête, ou décider si elle a adelanté. Mais qui côté Martine Moïse, action Martine Moïse, l'a détruit juste ça. Et juste la guerre pour lui, pour la désocer sous terre, avec Doum, l'agent Lamel, qui va jamais te loigner, qui va le foutre petit tout madame ou cancer. Ou comment ça m'a dit là? Walter ou c'est Walter entravé. DCPJ, voyez. Yon lis moun ba misye, li voun rapport bien détaillé ba misye, et puis il mande, monsieur pour que li
décernement d'arrêt derrière liste moun sa yo. Rapport de CPJ a besoin gagnel. Par contre, si Stanley Le Cap de nous, j'en rapport 36 pages, qui a le jeune juge Walter Ose Voltaire. Avec l'autre ancien rapport à tout, faut que nous gagnions le premier rapport qui te gagne près de 200 pages là, faut que nous gagnions le tout, parce que faut que nous allons faire un rapport de CPJ. Mais nous disons que nous avons extrêmement important. De CPJ a privé. Mais qu'on gagne pour qu'on fait. En nous chavir Ariel, rapide vite pour nous mettre, soit mettre Luc Mandelil, ou bien commissaire Miskade, ou bien Stanley Le Cap. Ou bien qui Philippe tout qui Philippe a vini. Pour nous remplacer Ariel. Moun yon nan moun sa yo, a ban sécurité, pays a vivable, n'a changé déjà la police, n'a plutôt déjà la police qui propre, qui clean, qui sens de responsabilité, qui remet pays, qui va prendre l'ordre dans mes blancs, qui va prendre dicté dans mes blancs. Et puis n'a plutôt l'ordre de CPJ. Est-ce que vous comprenez? Nous allons mettre l'ordre inspecteur général dans tête la police là. Nous prenons l'ordre police. Et puis là, ça de CPJ. Soit nous demandons nommer le rameau, vin ba nous bourra dans quoi? Au niveau de CPJ, ou bien nous tournons avec Nomel Ramon comme déjà la police. Ah papa, fais pour nous. Sous qui Nomel Ramon en tête la police là, avec un président qui est responsable ou bien un premier ministre qui a un sens de responsabilité qui n'a pas peur. Si nous dans le contexte que nous trouvons là, Nomel Ramon a un bon résultat. N'a pas dit monsieur pas peur politique parce que nous couvrons. On vient avec un rôle de CPJ. Là, ça nous dit, de CPJ, ou bien toute autonomie ou tout pouvoir dans nous pour développer toute capacité, toute compétence dans le rapport, dans l'enquête ça. Ba nous, yon rapport bien détaillé, 1, 2, 3, 4, nan ti soti nan en rive nan san, ki moun ki planifié, ki moun ki bail ki dekese, kob nan ki ban kob passe, qui est-ce qui te chita à gauche à droite pour te planifier, qui te bail moyo, d'assassinat Jovenel Moïse avec tout exécutant yo. DCPJ a pris tout pouvoir pour ban sa, et mais c'est sous route sa que nous brale. Mais ça nous était là. Nous rete, Ariel pour nous retirer, Ariel tap gen nan rapport. C'est parce que Ariel nan tête pays ya. Comment vous comprendre DCPJ en travers elle? Parce que France LB là, comme déjà la police, faut que les comptes non citent dans ces bagailles, que les bagailles pas qu'à faire. Et de fait, ils remettent job. Ils ont peur pour ne pas trouver tout. Ils ont fait gros cop tout. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait gros cop tout. Mais je ne parle pas avec nous là pour trop. Pour criminels, ils ne peuvent pas attendre qu'ils ne parlent pas avec nous. Parce que nous, c'est famille, ils ont mis plateforme YouTube pour tout. Nous, de ces jeunes là, Abgan pile crié l'autre semaine, dans le camp, mon qui te planifié comme ça. Wendell Coctello, monsieur t'a pas fait stroke. Gè de bagay. Monsieur te se peuple ak pou pour foutre manchette sou tout vivant. Wendell Coctello, juge, pour fami ou ap gade ou parce que fami ou t'accepté pour t'aller rentrer dans tout le président pour te kage pouvoir pour te jouer ensemble avec ou. Mais c'est que peuple ap prend traîne dans tout kafou, dans tout clair dans comme grand monde sans honte. Et ça yo c'est des réponses proportionnelles avec crime que nous commettons sous président. M'a très sadique ensemble avant. Maman grand monde sans honte, sans que. Et m'a dit ou, quel que soit côté où t'as caché dans le pays d'Haïti, ou ap kon sort pas très longtemps. Il est clair. C'est pas des menaces que vous avez. Et c'est des responsabilités, c'est des réponses que vous avez. C'est venger pour nous venger comme ça yo. Avec magistrat Walter ou c'est Voltaire. Magistrat ou qui porte de sortie jusqu'à maintenant. Avec rapport de CPJ Baroua, ou gen porte de sortie. Ou gen pour désolidariser avec criminel. Ou capable fond de cantation, ou retirer qu'on choisit quand la justice offre ou là. Créer possibilité, camper règle de pays. Gonfler force ou, dit pays ou décider bah un résultat dans le dossier, dit vérité dans le dossier, ou bien sécurité. Et pour après nous-mêmes, n'a camper là, n'a prendre la République camper derrière ou après n'est pas ta faire rien. Magistrat, sous maré Ariel wap on héros oui. Sous maré Ariel wap on héros oui. Pendant qu'on fait zéro là oui. Sous maré Ariel wap on héros. Ah ici frère monsieur, que tout y est président pour l'argent. Que tout y est président parce que tout simplement, il dit que on paye pas possible pour nous vrai 20 communes dans un département. N'a dépensé 10, attendez bien, 12 millions de dollars américains, plus 8 millions de dollars américains EDH, fait 20 millions de dollars américains, nous pas kage kou 24 sur 24. Président Kampel dit ça pas possible. Faut clirer un contrat, en pour ça n'est que yon massacrel. Oh, monsieur. Pour ça nous kebel l'eau de Pachal. Oh, monsieur. Bon, mettez image sur l'écran. Pour ça, attendez bien, nous kebel l'eau de Palotel. Nous kebel crâne tête li. Mais DCPJ dit que, effectivement, dossier Jovenel Moïse là, il n'est pas qu'à arrêter impuni. Parce que c'est clair, et ça, DCPJ dit. DCPJ dit, magistrat, rapport autopsie,
cadavre président Jovenel Moïse là, il révélait que les gens crasent écran tête président, ça m'a toujours compté nos peuples là, même les seuls sur l'écran. De CPJ dit, magistrat Walter, rapport si, quand président Jovenel Moïse là, montrez que les gens crasent tout point, ils crasent tout zone, ils chirent sous lit, ils dépalent le président, ils font le président tourner pas soi avec cartouche. Magistrat Walter, ou gen bagay nan mon garçon? Ou gen bagay nan mon parce que de CPJ, route que moi la prends là, son route sans pitié. Son route qui pa gen tete langue magistrat. Son route qui a des problèmes. Son route qui gen pique en coin dans la dalle. Magistrat Walter, pas gen route pas bois. De CPJ, doué frapper pied la tête. Et là, nous faisons zone en Kalalou, nous jouons que de CPJ, la de CPJ, trouver dans l'obligation pour que li fayon lever pied dans quatre dossiers ça pour tout bon. Mais qui côté nèg yo gen problème, nèg yo paniqué. Martine Moïse, première dame de la République, te fait un passé dans un média international qui c'était France 24. Martine Moïse te fait des déclarations qui te ba en pile que sauté, qui te ba tête chargée. Que des monde qui t'a essayé utiliser déclaration Martine Moïse là pour te faire capital politique yo. Mais ça pas passé. Ça pas passé et il pas capable passer. Bon faire nous tant nos petits bagages pour nous faire nouer côté nèg yo prendre en zip. Avec un peu d'intérêt. Tendez ça et puis n'a comprendre. Et après ça m'va m'va faire virer dans Carrefour feuille, m'a dit nous que bandi yo ba yo ultimatum de 72 heures pour tout monde Carrefour feuille quitter zone net. Pour tout monde en bas, Magloire Amboise quitter zone net, bandi yo ba ultimatum. Frantzel be kwaze bral, Farel kwaze bral, m'a dit nous que monsieur yo au courant de ça qu'a fait là, c'est parce que au besoin Nations Unies sorti une décision en faveur yo 15 septembre qu'a venir là pour voir intervention militaire dans pays d'Haïti, ça cause rap tout le monde n'a pas fait comme ça. Ça pour comprendre avant comprendre. Pour madame Martine Moïse. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné par un commando de mercenaires colombiens dans sa résidence privée de Port-au-Prince. Son épouse Martine Moïse est également prise pour cible et elle est laissée pour morte. Mais elle survivra et elle est avec nous aujourd'hui depuis Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous Martine Moïse. Merci monsieur Perelman et je profite de l'occasion pour et saluer les téléspectateurs de France 24. Alors une question toute simple, bien Martine Moïse, deux ans après, comment vous sentez-vous, comment allez-vous? Pour moi, je vais bien si on peut le dire, mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions. Je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction Centrale de la Police Judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que, et suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer
le New York Times, fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Hein. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central. Et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, hein, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes. Et du coup... se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours et il y a quelques jours, hein, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle qui n'était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers, de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime et transnational. Très bien. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international, parce que au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martine Moïse? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide « Ok, je vais assassiner le président » et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse. C'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice.
Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José Félix Badio, aurait, d'après un document d'un rapport de police, que je cite, appelé le Premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mise au courant de ce qui se passait dans votre esprit? Donc, c'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la DGCL qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en main, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, c'est pas moi qui le dis. Alors, il est Premier ministre, j'allais dire de fait, parce que bon, le pays est dans une situation bon, humanitaire évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce que Ariel Henry, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections? Parce que quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président 2 jours avant. Donc, le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi qu'il y a autant d'accords? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc, celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre premier ministre avec un gouvernement de consensus qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité, parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé désolé, mes haïtiens. C'est la Martine Moïse. Montrer Ariel, il n'y a pas d'enjeu avec elle-même encore. Non seulement sur le plan politique, m'a fait politique avant, mais comme criminel tout, montre que m'a pas chôme dans sa voix. Martine Moïse parti. Martine Moïse grandit politiquement. Elle commence à madrer. Ou après, l'heure qu'elle pour le sortir tête li, il sortit tête li, elle pour le faire prendre recul là, il prend. M'a dit, madame, nous avons bien joué. Mais si vous venez nous écrire avec Martine Moïse, yo empoisonné, yo gen problème yo, Martine Moïse sont danger pour yo. Faut que yo débarrasse de Martine Moïse, qui est impossible. Parce que Martine Moïse sont élément incontournable. Grâce bon Dieu pour nous, comme haïtiens, qui pas accepté pour être touye moun, Martine Moïse sorti vivant dans crime qui fait 6-7 juillet 2021. Et Martine Moïse a vive tout ça qui pral passer dans deux pays ça, dans quatre dossiers ça. Kounya ki sa kap manigansé là d'après nous-mêmes. André Michel ou konne ki t'a fait mandat pour te arrêter Jovenel Moïse et mandat tout Jovenel Moïse là dans cabinet de destruction. C'est lui-même encore avec même Mario Beauvoir ça qui a exigé un juge fait un mandat contre Martine Moïse. Il a demandé depuis un jeune mandat, il a ka fon bagarre ensemble avec. C'est quoi qu'on s'est parlé là oui? Mes amis brey, même quitter nous tande Martine Moïse parce que la République pral gen problème. Pays s'attendait bien, n'a qu'à travailler pour une guerre civile. N'a qu'à travailler pour coup de manchette, pour coup de rache, pour coup de bâton, toute qualité bagaille net, rete là pour nous. Parce que la République est pour qu'on ait qui choye. Entendez, pour mesdames. La violence, on parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne craignent plus grave. Ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau de Port-au-Prince et également au niveau de la Tibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, près de 2 ans alors. Donc, qu'il a commencé à mettre en place son propre système de défense.
Il s'est armé de machettes et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant la peur change de camp. Justement, mais papa, ici, écoutez bien. Peur parce que les bandits passage, première dame, qui c'est Madame Martine Moïse, dans la capitale politique mondiale, qui c'est Washington DC. C'est autre chose. Il y a un pile problème avec la classe politique traditionnelle et coalition d'assassins qui a assassiné Marie et qui fait tentative d'assassinat avec des bidons qui se sont liés. Présence Martine Moïse, existence Martine Moïse même. Sont véritables dangers. Ils sont menaces pour tout assassin qui touillait président Jovenel Moïse et qui manquait tout là. Défaite. Ils supposent comme ça. Mais plus gros problème que Ariel vient gagner avec Martine, c'est là Madame Martine Moïse campé sous Frise 24. Il dit clairement, faut qu'il y ait un référendum qui fait, faut qu'il y ait élection qui fait, mais avec un autre premier ministre. Parce que le clair sur ça, n'est qu'il a pas pris rien. Au contraire, il y a juste de pouvoir pour protéger tête pour capable pas faire élection dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de quitter le pouvoir. Et mais là, Martine Moïse t'a pral longe de ti très long sous nèg yo. Et c'est là que t'a pral ouè que Martine Moïse pap joue encore. Stratégiquement parlant, madame nan vin madri. Politiquement parlant, vin grandi. Li konn ki la pou le sorti, li konn ki la pou le replier. Et mais jodi a pèp ayisyen, rose mon jan la gon bom. Ça son maman pèn ba, ça son pays pote. M'a pral plein que, là maintenant nous sommes en 2021. Alors, en 2019. 19 février 2019. André Michel avec Mario Beauvoir, Nenel Kassi, John Joel Joseph, t'es débarqué dans le cabinet de destruction, et t'as contre un juge qui s'est amis, qui est oligarque, t'es payé, t'es banné, y'a compris, elle paye juge là, pour juge là faire un mandat d'arrêt contre président Jovenel Moïse. Comment juge t'es relé? L'irrelé Jean-Roger Noël Cyrus. En février 2019, ça, n'est-ce que juge là fait un mandat d'arrêt à vrai contre président. Et mes pépas ici, t'es bien, mandat ça, c'est lui qui fait tentative d'assassinat sous président, coup d'état 7 février 2021, et c'est lui-même qui veut tout le président. André Michel, son élément clé, et de fait, ouais, l'abjou pour voile, parce qu'elle t'a contribué dans tout le président. Et mais jodi, qui c'est premier, alors, et septembre, Rose Mongeon la gomme maman Pemba. Rose Mongeon dit même André Michel ça encore, a baille pression avec un juge pour faire un mandat contre Martine Moïse. Ça veut dire que mission André Michel c'est achevé Martine Moïse, tout et Martine Moïse. Et bien, papa Haïtien, pour toute raison, ça nous dit nous-mêmes, nous pas parler pour contre nous, faut nous joindre Rose Mongeon en téléphone pour nous parler avec elle. Rose Mongeon, comment nous est bienvenue sur la plateforme YouTube, vous êtes vérité dans le monde du pays, allez, comment nous est? En pleine forme, à la lutte. Nabgoumen. Je dis à nous tous connaître, et pays à connaître, moi je devant parquet de Port-au-Prince, dans l'idée pour commissaire Edel Guillaume capable de transférer de ces plaintes nous poser contre assassin qui regroupé à travers CSPN Ariel Henry Abdirigea, et bien nous devant parquet pour te faire suivre ça. Deuxièmement, nous devant parquet pour nous dénoncer deux manches. C'est pas seulement André Michel. Il y a des nègres en deux CSPN, non. Il y a des nègres en deux SDP. Mais moun t'a coordonné. Qu'a fait deux marches là. Qu'a fait manœuvre là. Qu'a fait pression sous juge. Qu'a voué menace, intimidation. Pour faire juge, m'appelle Jean-Claude, capable de mettre un mandat d'amener contre Martine Moïse. Et il y a dit juge là. D'après toutes données, toutes informations nous gagnent. Depuis, juge là-bas, yo mandat, yo même y'a pris ça pour yo faire pour yo prendre Martine. Yo seulement besoin juge à signer mandat à yo. Nous connaissons dans signer mandat, bye, André Michel, Claire Espérance, et John Joel Joseph, et la Beauvoir. Ce monde ça te met ensemble, yo te fait complot, faire un juge bah yo mandat d'arrêt contre Jovenel Moïse. Et c'était avec madame d'Aressa et Talna Fetiou et madame Coctello. Wendel Coctello. Talna Fetiou, Diogue Manda contre Jovenel. Ça veut dire, je fais comprendre Jovenel, ma président, quoi. Pour être capable d'une exécuter une mission. Et quand il arrive au coup de route, il transforme la mission d'arrêt à une mission d'assassinat. C'est comme ça que tu es Jovenel. Et c'est même route-là. Oligarque corrompu, malfaiteur, assassin qui regroupé en dedans primature, après pression sur un juge que je connais qui est très sérieux, Nèg Jacmel, m'appelle Jean-Claude Sonnet qui est très sérieux, son est techniquement compétent, et Nèg yo a fait pression, hein, même manœuvre là, sur m'appelle Jean-Claude, pour que m'appelle, pour juge, m'appelle Jean-Claude capable de faire un mandat d'amener contre Martine Moïse. Ok. Ça veut dire qu'il s'est passé, c'est toujours même stratégie, hein. Râler madame, non, comme si soit arrêté, lui. Oui, il y aura un premier coup à te marcher. D'ailleurs, ça y est, comment il fait,
côté la réunion, ça a discuté dans la réunion. Okay. Je sais qu'on est depuis matin demandé d'amener avec question la mon partisan a parlé de l'élection, oublier ça. Avec mandat d'amener qui a fait toute bagaille, Martin pas ta candidat encore. Oh, ok, ça c'est objectif. Je dis à ce candidat si Martin n'a pas de sa pièce. Avec dit, même le mandat n'a pas exécuté, si Martin paraît tête, il y a deux mandats en Améo, depuis Martin paraît tête, il a exécuté mandat. La période que pour Martin, la période qui est importante pour Martin Moïse, là, il y a exécuté mandat. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il planifie dans la réunion. Côté OK, ok. Même qui a la tête là, là c'est un homme, c'est qui qui reste avec. Qui va s'y parler de Kirele, Claude Kirele. André Michel. Et André Michel là. Mm-hmm. C'est André Michel avec deux trois autres mounes en d'assister n'a pas côté bagaille ça. Mais jusqu'à présent, Bagadou, si menace arrive sous juge là, comme moi connais son juge qui a pile colonne vertébrale, c'est un juge très sérieux dans le système non. Et c'est là, nous, jusqu'à présent, information arrêtée. Ça veut dire, des gros pressions, des pressions d'argent, que tout en fait pour n'ayez acheté un mandat dans mes juges, Martin Jean-Claude. Ok. Ça veut dire, monsieur, heureusement, je suis là. On paye facile pour n'ayez, monsieur. Alors, on a mis un boule figure tout le monde pour André Michel quand il fait toute qualité de déclaration ou impliqué dans tout le président. Et c'est où qu'elle fait mandat. Mandat qu'on va le faire, c'est le mandat de sacrifier tout le président. C'est tellement payé facile pour n'ayez, heureusement, Jean. M'a dit ça, moi-même, m'a dit dans le stadion hier. M'a dit que n'ayez, son équipe n'ayez qui blie tête yo. Non sens ça veut dire que yo vinn tellement à l'aise. Ça veut dire qui ça? Nèg achita son droum gasoline. Boki gasoline nan bon côté yo, droum gasoline nan sans bouchon bon côté yo et puis au chaque ralon briquet avec cigarette y a fumé heureusement Jean. Son pays qui fragilisé, nèg quoi assassine son président? Et ben je dis après nèg yo calé corps dans pays, nan mitan bol figure tout monde. Malheureusement gen un juge. Non, calé corps. Ça calé corps ambassade Canada. Ambassade de la France, ambassade des États-Unis, département d'État américain qui met ensemble yon assassiné Jovenel et puis yon garanti nèg yo quand même pas privé yo. C'est ça qu'on a parlé quoi yo et c'est ça que fait chaque action nous fait pour nous arriver abouti à départ Ariel Henry, eh bien, communauté internationale là, vini avec des manœuvres, soi-disant, y a vini à. Caricom, y a bien à OEA, on façon pour casser mouvement mobilisation. Mais pour qu'on dise, on a pensé après, c'est bien côté mal calculé, ça, chaque pari n'a pas fini. Pour Jovenel Moïse là, pour être attaché Jovenel Moïse là, on va garantir le babin dans sa là pour Martin Moïse. Et, heureusement, bon, nous connaissons déjà, nous pas qu'à vivre ça, nous vivons là, 7 février 2021, nous vivons 6-7 juillet 2021, nous Qui justice n'a pas cherché là.
li di se ta sena va fout si span rase la. I love my country, je t'aime. Si pays sa ki le nap si span fè kaka. Somme l'aime pas fout ou elle en retard. Merci politicien, merci bourgeoisie. Pour tout ça qui fait nous mal, ton écrasé mot pour mettre fou, fait tes fiels. Nous qu'a fonctionné mon temps tout sardine. Pourquoi l'ingue pendant bac machin, pas qu'à poser sous grand riz. Oh Jésus, bagaille ça fait m'rire. I just fucking love my country. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui pong gong gong? Village de Dieu, grand rabbin, 400 marozo. Au point c'est horrible. I love my country, je t'aime. Si pays ça, qui l'en a si spon fait caca. Semble n'est pas foutu en l'état. Merci, politicien, merci. Bourgeoisie, merci. Pour tout ça qui fait nous mal. Merci, politicien, merci.